On y réceptionnait autrefois le courrier. Les anciens bâtiments du Tripostel à côté de la gare du Midi sont en travaux. La SNCB y installera son siège en 2023. Et d'ici là, l'association Comuna prend ses quartiers au rez-de-chaussée pour y développer une série d'activités. Ici, dans le fond de cet espace, avoir une salle de danse, une salle de danse professionnelle qu'on est en négociation avec Hybrid Studio pour monter. Et alors tout cet espace-là, l'idée c'est qu'il ne soit pas attribué à un collectif fixe, mais que ce soit une fédération de collectifs qui puissent s'en emparer. Installation de circuits électriques et tests de sécurité, les ouvriers de Comuna sont en plein travail. L'association chargée de revaloriser les bâtiments vides s'installe pour 2 ans au rez-de-chaussée de l'ancien Tripostel. Nous avons choisi cette ASBL dont les objectifs correspondent aussi à nos objectifs, à savoir l'animation d'une partie importante de ce quartier et sa sécurisation avant le démarrage des travaux en 2021. Date à laquelle débutera l'aménagement du futur siège social de la SNCB. D'ici là, les animations temporaires mettent fin à 20 ans d'inoccupation du bâtiment. Pour Charles Piquet, c'est un fameux pas en avant. C'est la première fois que la SNCB est ouverte à ce genre de projet, avec la commune, avec la région, et ainsi pouvoir montrer qu'il y a une volonté de changement et qu'il y a une dynamique qui s'installe pour quand même rénover cette gare du Midi qui le mérite bien. Inauguration officielle de ce nouvel espace le 22 novembre prochain, et pour les curieux, le chantier est accessible ce dimanche à l'occasion de la journée sans voiture.